Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième bande dessinée de World of Warcraft concernant les sœurs Windrunner, donc Alleria, Sylvanas et enfin la petite Viriza. D'ailleurs, première chose qui m'a... Alors, c'est en fonction des couleurs de leur, leur collier, bien entendu, mais c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir laissé, on va dire, le bleu pour Sylvanas et le rouge pour Viriza à partir du moment où Sylvanas est la chef de guerre de la Horde et Viriza est la chef du Concorde Argenté, donc des hauts elfes restants, là où Alleria, elle bah, dirige les elfes du vide. Mais du coup, c'est le symbole tout simplement des bijoux que possèdent les trois sœurs. En attendant, on va pouvoir commencer la bande dessinée et ensuite on analysera un petit peu ce qui est présenté dans la BD. Chacun voudrait rentrer, retrouver sa famille, se sentir entouré. La sœur des ombres. Stormwind, quelques heures plus tôt. Ta statue est assez ressemblante, mais tu ne trouves pas qu'ils ont raté mon nez? Il est temps, Turalyon. Je dois revoir ma terre natale, de mes propres yeux. Je veux entendre de la bouche de Sylvanas comment elle en est venue à endosser le rôle de chef de guerre. Je suis toujours d'avis que nous en parlions à Anduin. C'est le roi de Stormwind, Alleria. Et tu vas rencontrer le chef de la Horde. Cela ne le concerne pas. J'y vais pour des raisons personnelles. Ce n'est pas un sommet politique. Je dois savoir si j'ai toujours une famille. Tu en as une, tant que je serai vive. Tu sais parfaitement ce que je veux dire. Nous sommes les trois dernières de notre génération de Windrunner. Il faut que je sache si nous sommes toujours des sœurs. Et tu ne changeras pas d'avis sur ma venue? C'est une réunion de famille. Tu t'y ennuierais. Je veux revoir l'endroit où j'ai grandi et reprendre la flèche de Windrunner aux morts vivants qui l'occupent. Ta présence serait une distraction. Si tout ce que raconte Viriza sur la Dame Noire est vrai, tu aurais sans doute besoin de la lumière. Ne t'inquiète pas, je comprends les ténèbres bien mieux que peut-être que ma petite sœur y arrivera jamais. J'espère que Sylvanas n'a pas sombré aussi profondément que Viriza le suggère. Ha ! Je savais que tu le porterais. Je devrais y aller maintenant. Elles doivent m'attendre. Jamais assez. Prouve ton amour. Tue-le et libère-le de la malédiction qu'est la lumière. Cesse de résister. Abandonne-toi et deviens l'une des nôtres. Ce n'est qu'une question de temps. Si jamais je ne reviens pas, dis à Arathor. Je dirai à notre fils que tu l'aimes. Et ne t'inquiète pas, je sais que tu m'aimes aussi. Prends soin de toi, Alleria, et reviens-moi. La sœur de la peine. Mais maman, pourquoi tu dois partir? Nos tantes ne peuvent pas venir à Dalaran? J'ai bien peur que ce ne soit pas possible pour l'instant, Garamar. Mes sœurs et moi allons visiter notre ancienne maison. La flèche de Windrunner? Ça veut dire que notre famille va être à nouveau réunie? Ce serait merveilleux. Mais mieux vaut ne pas y placer trop d'espoir. Tout le monde sait que tante Miss Sylvanas est méchante. Et en plus, c'est le chef de la Horde maintenant. Elle commande ceux qui ont tué papa. Tu ne devrais pas dire aux gens qu'ils sont méchants, Galadine, ou ils chercheront à me prouver à quel point ils peuvent l'être. Et comment on peut être gentil quand on est mort-vivant? Arrêtez, vous êtes frères. Peut-être qu'un jour, et le plus tard possible, j'espère, vous ne pourrez plus compter que l'un sur l'autre. C'est pour ça que vous devez rester les meilleurs amis. Comme mes sœurs et moi l'étions autrefois. Je le serai s'il promet aussi, d'accord? Le bois des champs éternels. Notre coin préféré, demain à midi. Ah. Rebonjour, petit astre. Avec tes boucles d'or, tu ne pouvais être que l'astre du jour. Je n'ai plus rien de commun avec le soleil. J'étais inquiète. Après ce que tu m'avais raconté, mais cet endroit n'a pas changé. Ici même, non. Les lieux sont toujours purs et innocents. Comme nous l'étions tous, il y a bien longtemps. Le... vide? Le trône de lune d'argent te revient de droit. Prends-le, livre-nous cette chair faible et elle servira à nos desseins. Je sais le contrôler. J'ai appris à sourdir les voix, à repérer les mensonges, même en s'étant troublé. Comment y parviens-tu? Mon amour pour Arathor, il est mon roc, Viriza. Tout ce que tu as fait pour lui, pour moi... En mon absence,
Sa présence a été une bénédiction pour ma maison et un guide pour mes garçons, afin qu'ils deviennent mes rocs. Pendant un moment, moi aussi j'ai failli sombrer dans les ténèbres. Raconte-moi. Je suis honteuse, mais... Quand Garrosh, Elskrim a détruit Terramor, mon bien-aimé Ronin a été tué. Je me suis laissé envahir par le chagrin, la rage. J'ai été vulnérable. Sylvanas et moi nous sommes retrouvés au procès de Garrosh. Notre deuil et notre haine envers ce monstre nous ont rapprochés. Nous nous sommes rencontrés en secret. Sylvanas voulait le voir mourir. J'étais perdu. J'ai accepté de l'aider. La nourriture de Garrosh est empoisonnée. Faites ce que vous désirez avec cette information. Penser à mes fils m'a aidé à reprendre mes esprits. J'ai choisi de ne pas tuer Garrosh et j'ai choisi mes enfants plutôt que de vivre auprès de Sylvanas à Undercity. Sylvanas a toujours eu une volonté de faire. Il semble aujourd'hui qu'elle mette cette volonté au service des ténèbres. Maintenant, tu es là. Les choses vont peut-être changer. Nous pourrions tout reprendre à zéro. Cet endroit me redonne espoir. Nous avons passé tant d'heureux moments ici. Te souviens-tu du camp Lyras joué pour nous? Nous aimions tellement danser, toutes ensemble. La sœur de la mort. Je ne me souvenais pas que tu pouvais être si facilement décontenancée. Celle-ci est dangereuse. Elle est une menace qui doit être éradiquée. Prends garde à elle. Elle recherche la mort de toute chose, de toute potentialité. Mets fin à cette menace. Tu l'as. Protège-toi et tu l'as. Sauve le monde et tu l'as. Quelle créature est-elle devenue? Absolument pas. Ta main est gelée, voilà tout. Mais bonjour quand même, astre de la nuit. Bienvenue à la maison, Aléria. Je croyais t'avoir définitivement perdu. Et Virisa, je n'imaginais pas te revoir non plus. Ces terres n'ont pas l'air d'avoir tellement changé. Tu n'as pas tout vu. Ce n'est qu'en prenant du recul que l'on peut voir. Venez. Oh! C'était notre foyer. C'est pour protéger ça que je suis revenu. Comment est-ce arrivé? Arthas Menethil, ou le monstre qu'il est devenu, et son armée du fléau. Ce sont eux les responsables. Accomplissons ce pourquoi nous sommes là alors, et libérons le chemin jusqu'à la flèche. Le temps passé à affronter la Légion a affûté tes talents, Aléria. Tu te bats bien mieux qu'avant. Et il semblerait que la mort ne t'ait pas ralenti, Sylvanas. Toi aussi, tu t'es amélioré. Tu n'imagines pas à quel point. Sans oublier qu'il y a certains avantages à être une morte vivante. Qu'est-ce que... Il reste encore un long chemin jusqu'à la flèche. Vous ne voudriez tout de même pas y aller à pied. Chevauchons. Nous devrions jouer un petit jeu sur le trajet. Vous rappelez-vous de vérité un mensonge? Chacune de nous énonce trois déclarations, et deux d'entre elles doivent être vraies, on s'en souvient. Mais j'ajoute une nouvelle règle. Nous ne révélerons quelle déclaration est un mensonge qu'après avoir repris la flèche de Windrunner. Toi d'abord, Aléria. Après tout, tu es l'aînée. Très bien alors. M'avaient toutes deux terriblement manqué. Ensuite, les pouvoirs du vide sont un don extraordinaire. Les Triants ne sont-ils pas nos alliés? Autrefois, ils l'étaient. Désormais, ils ne sont plus que les alliés. Ils ne sont plus les alliés de qui que ce soit. Ah! Et ta dernière déclaration, Aléria? La dernière? Je ne regrette pas du tout d'avoir traversé la porte des ténèbres jadis. Bien dit, Aléria. À ton tour, petite sœur. D'accord. Tout d'abord, je suis persuadée que les elfes de sang peuvent se racheter. Chut. Ils n'ont que faire de ta rédemption. Les terres fantômes. Ensuite, je suis enfin en paix avec la mort de mon bien-aimé Ronin. Et pour finir, j'ai peur de vous perdre à nouveau toutes les deux. Pour toujours. Et charmant, à moi maintenant. Premièrement, j'aimerais parfois encore être en vie. Deuxièmement, je suis fier d'être le chef de guerre de la Horde. Ces brumes d'or, je ne veux pas y aller. Ce sont les ombres de gens que nous avons connus.
Nous ferons vite. Yeah ! Il te reste une déclaration, Sylvanas. En effet, je ne vous trahirai jamais, mes sœurs. De la même façon que tu n'as pas trahi Veriza quand tu l'as manipulée pour qu'elle assassine Garrosh Hellscream ? Ah, c'est ce que t'as raconté, petit astre. Dis-lui, qui a eu l'idée en premier, Veriza ? Qui a convaincu l'autre ? Qui a ajouté le poison à la nourriture de Hellscream ? Et qui m'a abandonné ? D'innombrables vies auraient pu être sauvées si Garrosh avait été exécuté. Peut-être n'aurions-nous pas eu à affronter la Légion à nouveau. Si elle avait eu le cran d'aller jusqu'au bout. Oh ! C'est une ignominie. Elle sert le véritable ennemi. Tu l'as maintenant. Tu l'as. Éradique-la de ce monde. Et prends ce dont tu as besoin. Vite. 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 La Sylvanas que j'ai aimée a disparu. Tout ce qu'il en reste est une caricature obscène et corrompue de ma sœur. Je n'ai pas eu le choix quant à mon destin. Mais toi, Aleria, tu as abandonné ton fils. Tu as abandonné notre frère. Tu nous as tous abandonnés. Tu es revenu, mais tu n'es plus qu'une enveloppe dont se sert le vide. Tu n'es plus que l'ombre d'Aleria. Une abomination. C'est moi que tu traites d'abomination. N'en es-tu pas une? Transformée? Non, dénaturée par un Haru déchu? Ça suffit. Aucune de vous n'était là quand j'en avais besoin. On m'avait laissé croire que vous étiez morte. Est-ce que vous savez ce que j'ai pu ressentir? Vous étiez mes héroïnes. Nous avons déjà tant perdu. Devons-nous tout perdre, encore une fois? Quelles que soient nos relations aujourd'hui, cette flèche était notre foyer. Nous devons la purifier. Ensuite, nous pourrons discuter des vérités et des mensonges. Flèche de Windrunner. Il est temps de mettre fin au jeu. Je commence. Je pense vraiment que les Sundorei regretteront leurs actes et rejoindront l'Alliance. Et j'ai vraiment peur de vous perdre toutes les deux. Le mensonge était que j'ai accepté la mort de Ronin. Je le vois tous les jours en regardant mes fils. Je t'envie le temps passé auprès de Turalyon, Aleria. Tu ne devrais pas. Il est passé tant de choses. Je ne sais pas si notre amour pourra survivre à ce que nous sommes tous deux devenus. Vous m'avez toutes les deux manqué et je ne regrette pas d'avoir quitté Azeroth pendant si longtemps. Mon mensonge était de dire que les pouvoirs du vide sont à un ton. C'est une lutte de chaque instant que je peux gagner. À ton tour, Sylvanas. Non, je ne pense pas que nous allons en rester là. Je pense que nous allons en rester là. Alors garde tes secrets, Sylvanas. Nous n'avons plus rien à faire ici, mais nous devions d'essayer pour Lyrat. J'ai combattu 1 million d'années, pensant que ma famille serait toujours là quand je reviendrai. Mais ma famille est brisée, ici, mais aussi à Stormwind. Viens, Veriza, il est temps de partir. Un moment, il me reste encore une chose à dire à Sylvanas. Je voulais te dire que j'ai été lâche. Tu m'avais demandé de rester avec toi et je t'avais dit oui. Mais je ne t'ai envoyé qu'une lettre pour me dédire. Je t'ai probablement blessé, quoi qu'il se soit passé entre nous et quoi qu'il se passe à l'avenir. Je suis désolé. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Madame, nous avions attendu votre signal, mais vous ne l'avez pas donné. Ça ne signifie rien. Tu aurais dû la détruire maintenant, il est trop tard. Tu as sacrifié la grandeur à des sentiments fictifs. Ils te quitteront, elle te les prendra tous. Non, Anya, je vais les laisser s'accrocher à leur triste vie encore un peu. Quoi qu'il advienne. Elles serviront la mort. Elles serviront la Dame Noire. Voilà pour la fin de cette bande dessinée. Je suis déçu, j'ai pas pu faire de petites citations de Warcraft 2 pour Aleria. Alors, une BD qui est vraiment excellente. Vraiment, vraiment, vraiment excellente. Les deux précédentes étaient cool. Celle de Jaina un peu moyenne, mais
j'en avais parlé, celle de Magni était vraiment sympa, il y avait le parallèle, j'avais beaucoup aimé les métaphores, etc. Celle-ci est un... Je pense en tout cas, moi qui ai commencé avec Warcraft 2 et qui ai fait Warcraft 3, je veux dire, dans chaque volet, on a eu notre héroïne Windrunner. Dans Warcraft 2, c'était Talaria, dans Warcraft 3, c'était Sylvanas. Et dans, malheureusement, dans WoW, ça aurait dû être Veresa qui est apparu dans le livre Le Jour du Dragon, que je vous conseille, qui est super, et qui ensuite avait été dans WoW. Et c'est vrai que Viriza a toujours été un personnage. Alors évidemment, cette BD, je l'apprécie déjà parce que bah, il y a des hauts elfes. Vous connaissez mon amour pour les hauts elfes. Alors les yeux d'ailleurs de Viriza sont un petit peu étranges. Je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est volontaire, mais les yeux des elfes sont censés être un peu comme Aleria en fait, c'est-à-dire vraiment, c'est pas des pupilles en fait. Faut vraiment comprendre que les elfes n'ont pas des pupilles classiques comme tous les êtres. Ils ont vraiment des yeux luminescents en fait, presque. Et d'ailleurs, que ce soit pour Viriza ou pour Sylvanas, c'est exactement le même problème. Pour cette bande dessinée, je trouve que les graphismes sont plutôt sympathiques. Aleria est très bien représentée. Viriza, il y a quelques dessins comme celui-ci par exemple qui sont un peu particuliers, je trouve. Les yeux aussi m'ont paru étranges pour Viriza. Mais à côté de ça, c'est surtout Sylvanas qui me gêne. Sylvanas, il y a un énorme problème sur son apparence, je trouve. Mais quelles que soient les apparences, en fait, que ce soit dans les cinématiques qu'on a eues récemment ou dans la bande dessinée, il y a un problème avec Sylvanas. Il faut à un moment donné faire quelque chose parce que c'est terrible. Elle ressemble... Enfin, Sylvanas est censé avoir des yeux rouges pétants, en fait, et luminescents comme pas possible. Et limite, en fait, ce n'est même pas en pupille, c'est tous les yeux. Et pour une fois que le modèle graphique de WoW est plus représentatif de ce qu'il est à côté, c'est quand même dommage. Et à côté de ça, bon, ma grosse, bon, vous le savez, pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui suivent mes lives, vous le savez un petit peu, mais cette bulle m'a fait très très mal. Cette bulle m'a fait très très mal, car ça, c'est censé représenter des ghouls de Warcraft 3. Ce truc-là. Ce truc qui est censé inspirer la peur dans le cœur des hommes, qui peut arracher de manière bestiale les organes d'un être pendant que toute sa famille voit la goule dévorer une personne. Ça, c'est censé inspirer la peur, ça. Ça me fait mal, hein. Ça me fait très très mal. Hein. Les ghouls de WoW sont dégueulasses. Enfin bon, j'aime beaucoup les choix de couleurs aussi. Les choix de couleurs, il y a pas mal de petits choix intéressants. L'histoire est... Alors, il y a des petits trucs qui m'ont fait rire. Genre, cette bulle m'a fait énormément rire. Viriza qui est en train de pleurer dans les bras de Sylvanas. Alors, je sais que pour tout le monde, Sylvanas c'est un sexe symbole. Sylvanas c'est un cadavre. Je vais le redire encore une fois, Sylvanas c'est un cadavre en décomposition. Alors, elle se décompose moins que les autres réprouvés, mais... L'intérieur, enfin je veux dire, vous allez voir, vous lisez n'importe quel livre, de toute façon c'est juste de la logique, c'est un cadavre. Un cadavre, ça sent pas la rose. Hein. Donc j'imagine tellement Viriza faire un petit câlinou à Sylvanas, ça doit être mais charmant. C'est comme si, après avoir été aux toilettes et avoir posé une petite pêche, un truc comme ça, vous vous penchiez, sentez l'odeur quoi. C'est pareil, et ça sent même encore pire, parce qu'un cadavre, c'est pas censé sentir la rose du tout, surtout un cadavre qui est resté aussi longtemps à l'air libre, on va dire. Donc ça m'a fait un peu rire. À côté de ça, ce qui m'a fait énormément rire aussi, c'est Sylvanas qui débarque sans que personne ne le sache. Je veux dire, Aleria, c'était censé être la plus grande des pisteurs aux elfes qui ait existé. Viriza, bon, elle est censée être quand même très très douée, et il y a un cadavre qui s'approche comme ça, ils l'ont pas senti, ils l'ont pas... On va dire qu'elle est venue contre le vent, etc. Non, mais c'est plus pour le symbole qui est représenté. Elle arrive, elle danse comme elle dansait autrefois. Je suis très content de voir Viriza. Encore une fois, l'importance des hauts elfes. Vous savez, si vous me connaissez un petit peu, que j'adore les hauts elfes. C'est quelque chose qui me ferait vraiment beaucoup rejouer à World of Warcraft, les hauts elfes, comme les trolls à Manie d'ailleurs. Et les hauts elfes, bah, je les attends avec impatience dans l'Alliance. Je les attends avec impatience en tant que race alliée potentiellement. Pour tous ceux qui me diraient oui, les hauts elfes, blablabla, encore une fois, une BD. Il n'y aura pas des milliards de BD hein, pour préparer les extensions. Une BD, on voit la représentation des hauts elfes, comme dans tout le jeu, depuis le début, hein, depuis Vanilla.
à BFA, il y a des hauts elfes présents dans le jeu, un peu partout, en PNJ, avec un peu plus d'importance, le rôle du Concorde Argenté dans différentes extensions, etc. Les hauts elfes ont clairement une place importante. Viriza est un chef de guerre émérite et accompli. Voilà, voilà. Ça me fait espérer toujours plus que les hauts elfes reviendront jouables. Hein. Je ne parle pas d'elfes du vide ou d'elfes... Ou de l'Elfe de sang, bien entendu. Ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs d'être dans le starter Elfe de sang et de ne pas avoir un seul Elfe de sang. Ça m'a fait assez rire, ça m'a fait marrer. Il y avait un point aussi que j'ai trouvé très intéressant et qu'on n'avait pas forcément. On connaissait un petit peu, mais qu'on ne savait pas forcément, c'était cette lutte de chaque instant contre le vide. Alors on savait qu'il fallait se battre, mais moi personnellement, j'étais resté sur le fait que peut-être Viriza avait battu pour la première fois, que de temps en temps il va y avoir une étape, mais je pensais pas quand même que c'était tout le temps qu'elle avait le murmure du vide qui lui disait bah vas-y, c'est horrible quand même. Enfin, elle est devant Turalyon et les voix lui disent de tuer Turalyon et elle lui rend ses caresses, etc. Moi personnellement, ce couple est le couple que je pense préféré avec Ronin. Viriza, j'aimais beaucoup, mais ce couple, il y a Jaina Thrall ensuite, mais ce couple là c'est vraiment, mais c'est pas un vrai couple Thrall Jaina, mais ce couple là c'est vraiment le couple que j'adore. Aleria Turalyon, ça touche à mon enfance, à Warcraft 2. Quand j'étais tout petit, j'avais 6 ans, j'ai commencé Warcraft 2. Aleria Turalyon, c'est les deux héros les plus badass, enfin les plus charismatiques, deux des héros en tout cas que l'Alliance est porté, les plus charismatiques possibles. Et ça me fait presque, ça me rend triste que Aleria dans cette BD nous apprend que on sait qu'il y a la relation entre Turalyon et Aleria est difficile parce que c'est devenu Roméo et Juliette. Turalyon est l'avatar de la lumière et Aleria est devenue ce que personne n'avait fait avant. Elle est devenue l'avatar du vide en gros. Et c'est assez perturbant parce que c'est vrai que il y a un drame. On sent que un drame arrivera potentiellement avec Aleria et Turalyon qui s'éloignent de plus en plus l'un de l'autre à cause de leurs affinités respectives. Je trouve ça triste parce que c'est un couple moi que j'adore, Turalyon Aleria. Donc il y a beaucoup trop de sous-entendus pour que ce soit juste un petit sous-entendu. Je veux dire la bulle juste par exemple, et t'inquiète pas, je sais que tu m'aimes aussi. Aleria dit rien. Elle lui rend ses caresses quand même, elle lui rend ses tendresses. Et à la fin, elle le dit aussi. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs la Viriza au sein du Concorde Argenté. Enfin, je trouve ça super. On a vu un elf qui lui ouvre un portail. J'ai trouvé ça super aussi. Mais non, à côté de ça, Viriza est vraiment super dans la bande dessinée. Pas physiquement, comme je dis. Là, par exemple, elle est moche. Enfin, elle est moche. Là, elle est jolie. Là, elle est dégueulasse. Je suis un petit peu déçu, mais c'est non. Enfin, c'est bien aussi qu'ils aillent dans ce sens, mais ça me rend triste quand même. C'est pour ça que vous voyez que je suis quand même objectif. Ça me rend triste que une liaison entre Turalyon et Aleria pourrait se finir, parce que elle-même dit à la fin, faut que je retrouve la bulle, mais même elle dit à la fin que sa famille est brisée, donc la famille Windrunner est brisée, mais que sa famille à Stormwind est également brisée. Donc il parle de Darathor et de Turalyon, que ça se brise aussi. Même si voilà, il y a toujours ce lien qui existe et on la voit très contente rejoindre Turalyon et Arathor, leur fils. Et Viriza rappelle aussi à Aleria qu'elle a de la chance que son amour soit encore vivant. C'est assez triste, je trouve. Mais bon, Viriza, c'est super. Vraiment, je trouve que le personnage qui est le mieux représenté ici, alors c'est peut-être moi, hein, mais je trouve que c'est Viriza au final. Enfin, Viriza est secondaire. C'est sûr qu'on voit Aleria qui est devenue un des chefs de guerre de l'Alliance, tout ça, tout ça. L'autre qui est Sylvanas qui est la chef de guerre de la Horde. Mais Viriza apparaît notamment sur cette image. Par contre, la BD est très très longue, hein, donc c'est vrai que c'est un peu chiant pour naviguer, mais rien que cette affiche aussi montre beaucoup de choses. Ils ont fait un choix. Là, on voit, Aleria a toujours été l'aînée. Ensuite, la cadette, c'était Sylvanas. Et la Benjamine, c'était Viriza. Donc, la plus petite. Et au final, on avait toujours Aleria qui était l'aînée et qui prenait soin de ses sœurs. Sylvanas, qui a toujours eu son rôle de militaire. Et Viriza, qui était la plus tendre, la plus gentille. Enfin, elle reste dure, hein, Viriza. Hein, c'est quelqu'un de dur. Mais je veux dire, voilà, c'était un peu l'idée. Et d'ailleurs, on le voit avec le flashback ici. On voit Aleria au centre, Viriza à droite et justement la Sylvanas à gauche. Et sur l'image ici, on voit l'inverse, en fait. C'est-à-dire
la petite Sylvanas à droite, Alaria à gauche, et celle qui est au centre, qui assure la liaison, le lien entre les deux, c'est Veriza. Et je trouve ça intéressant parce que juste avant, c'est Veriza qui met en garde Alaria contre Sylvanas, donc on a plutôt l'impression que c'est Alaria qui de nouveau va devoir faire la grande sœur pour séparer, on va dire, Veriza et Sylvanas. Et au final, ça c'est un peu bizarre, mais c'est un choix volontaire. Sinon, le choix, généralement, dans ce genre de cas, tu mets justement, t'aurais mis, dans ce coup, Alaria au milieu pour représenter, ensuite, etc. Et au final, ça n'a pas été le choix. On a préféré intervertir Alaria et Veriza, ce qui est un choix scénaristique. Donc, c'est un symbole qui est montré. Et je trouve ça intéressant à partir du moment où Veriza, au départ, est celle qui, bien sûr, lie Alaria et Sylvanas, mais qui met en garde Alaria. Au final, il y a une opposition de style entre Alaria et Sylvanas. On le voit ici, elles mettent tous les deux leur pouvoir. Et on voit justement Sylvanas en reine Banshee face à Alaria en elfe du vide qui en viennent aux mains. Et c'est Veriza qui leur dit d'arrêter de stopper cette folie. Au passage, cette bulle est très importante aussi, je trouve, parce qu'elle ressemble à la bulle qui avait été mise pour BFA avec le visage d'Anduin face au visage de Sylvanas. Je pense que c'est aussi un écho à cela, avec d'un côté la Horde, de l'autre côté l'Alliance, et Veriza qui fait le pont un petit peu entre les deux et qui leur dit d'arrêter pour la famille. Je trouvais ça intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait que Sylvanas blâme Alaria comme étant une abomination. Ça a toujours été le terme qui avait été employé pour parler de Sylvanas. Veriza, au sein même de l'âge du dragon, le jour du dragon, Veriza, tout le monde disait qu'il fallait surtout pas parler de... Ah non, c'était pardon, dans... Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais Veriza avait toujours dit qu'elle avait jamais... Avant de voir justement Sylvanas, elle disait que voilà, c'était une abomination et que tout le monde parle de Sylvanas en termes d'abomination. Donc c'est intéressant que pour une fois, c'est Sylvanas qui emploie le terme abomination pour parler d'Alaria. Et bon, bien sûr, ça surprend Alaria. Un autre point sur lequel je voulais venir aussi, donc ça c'est plutôt cool, évidemment la fin, évidemment il faudra qu'on parle de la fin. Il y avait un point, j'ai zappé, fallait que je me suis embrouillé, j'ai oublié sur ce quoi je voulais aller, bon tant pis. Mais oui, si, le fait aussi, pardon, qu'Alaria reçoive des murmures des dieux très anciens, comme quoi il faut absolument qu'elle tue Sylvanas. Ça c'est un truc de fou. Parce que beaucoup de monde dit oui, Sylvanas va peut-être devenir un avatar des dieux très anciens plus tard, etc. Et au final, je trouve que cette BD répond exactement à ça. Peut-être que Sylvanas deviendra une menace depuis Vanilla et depuis Warcraft 3. On sait que Sylvanas potentiellement va très très mal tourner. Mais au final, elle n'a jamais eu de revirement dans sa manière de faire. Des fois, elle a des petits moments de tendresse qui remontent que bon, bah, elle a été vivante auparavant. Mais c'est une manipulatrice et une sombre connasse, hein, soyons honnêtes. Mais on voit que les seigneurs du vide ont peur de Sylvanas. On voit que le vide a peur de Sylvanas. Donc Sylvanas est peut-être, et c'est ce qu'avait Vol'jin, vous savez, sur son lit de mort, avait dit, oui, enfin sur son siège de mort, avait dit qu'il avait été surpris, mais l'Eloa lui avait dit que c'était Sylvanas qui pourrait sauver la Horde et aider la Horde. Et peut-être que Sylvanas est le fléau dont... enfin, le fléau, sans mauvais jeu de mots. Hein, et le fléau dont la Horde a besoin pour pouvoir l'emporter. Peut-être le monde a besoin de Sylvanas pour contrer les dieux très anciens. Peut-être que c'est ça. Parce que, clairement, là, les seigneurs du vide, ils auraient pu lui dire... fais l'avenir à notre côté, etc. Non, ils ont peur de... Il y a une peur de Sylvanas. Il y a clairement une peur de Sylvanas. Donc... Par rapport aux échos qui avaient été faits dans Légion, par rapport au fait que dans le cauchemar d'Emeraude, je ne sais plus le nom, peut-être que vous me donnerez le nom dans les commentaires, mais le porte-parole des dieux très anciens qui avait dit justement qu'il y avait potentiellement, il l'avait déjà corrompu, il l'avait déjà... et beaucoup de monde se disait c'est peut-être de Sylvanas ou de Jaina dont il est question. Peut-être que ça parlait d'Alaria en fait. Peut-être qu'il était question d'Alaria et qu'elle perde son... qu'elle chute en fait, qu'elle n'arrive plus à contrôler ses pouvoirs et qu'elle rejoigne le vide. Après, je ne pense pas, pourquoi ? Parce que bah, les elfes du vide ont rejoint l'Alliance. Si leur chef de faction bloque, ça deviendrait kill chef. Et si Alaria, qui a réussi à être la première à maîtriser les énergies du vide sans être corrompue, est corrompue, nous, les sombres merdes que nous allons être auprès d'Alaria, qui sommes ses gardes, genre à quel moment Alaria elle n'y arrive pas alors que les autres y arrivent. Enfin, ce serait bizarre, donc je pense pas qu'Alaria sombre, mais c'est quand même intéressant le fait qu'on essaye de nous dramatiser la situation.
Et à côté de ça, du coup, le dernier point, la fin, avec justement le jeu des mensonges et des vérités. Pour Viriza, c'était très simple. Je sais pas, moi-même, j'ai joué au jeu, et honnêtement, je me suis dit, Viriza, c'est simple. C'est le fait que Ronin, qu'elle n'ait pas accepté la mort de Ronin, c'était ultra évident, honnêtement. Et du coup, les mensonges pour Aleria, c'est justement le fait que le vide n'est pas si simple à contrôler, et que c'est ça le problème. Et pour Sylvanas, c'est vrai que c'est très intéressant, puisque elle ne l'a pas évoqué, mais la trahison, c'est tout simplement le mensonge de Sylvanas. Après, certains pourraient dire non, puisqu'elle n'a pas trahi sur le moment, au final. Elle avait le signal, et c'est le discours de Viriza, je pense, qui a convaincu Sylvanas. C'est le côté émotion du moment qui a empêché Sylvanas d'accomplir ses fins, puisque en fait elle avait rassemblé ses sœurs pour les tuer et les ramener à ses côtés dans la non-mort. Au final, c'est peut-être le discours de Viriza qui lui a fait changer d'avis, car elle n'a pas fait le signal de tuer ses sœurs. Et au passage, très content, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais pour les joueurs de Warcraft 3, Frozen Throne et même dans WoW, Vanilla, etc., Sylvanas a toujours eu un bras droit. Tous les personnages ont eu, enfin globalement les grands personnages ont toujours eu un bras droit. Thrall, c'était Nazgrel qui a été fortement oublié par World of Warcraft. Nous avions par exemple Chandris Feathermoon, qui est la fille adoptive de Tyrande et Malfurion, et qui est le bras droit des Sentinelles, enfin donc le général en chef des Sentinelles et bras droit de Tyrande. Chandris qui a été oublié par World of Warcraft, mais du coup Chandris, bon, dans les livres, je vous rassure, Chandris n'est pas oublié, mais Chandris. Donc c'est le bras droit de Tyrande. Et Sylvanas également avait un bras droit dans Frozen Throne, c'était une Banshee comme elle, sauf qu'elle n'avait pas encore récupéré son corps. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça a toujours été son bras droit. Et dans Vanilla, dans WoW Vanilla, dans Burning Crusade, etc., il y avait une Banshee qui était à la droite de Sylvanas. Alors je sais plus si elle avait un nom, il me semble, dans Vanilla vous allez probablement me dire qu'elle avait un nom, mais c'est très intéressant, c'est de voir qu'elle s'appelle Anya. Alors je suis pas certain que c'était le nom de la Banshee du coup dans Undercity, mais je pense que c'est aussi le bras droit de Sylvanas maintenant. Faudra voir, je pense que vous me répondrez dans les commentaires là-dessus. Je sais pas si c'était Anya la Banshee de WoW Vanilla, mais en tout cas ça avait toujours été le bras droit de Sylvanas avant qu'on lui mette Nathanos dans les pattes. Et du coup, c'est vrai que c'est plutôt intéressant d'avoir le nom. Et l'image à la fin avec Sylvanas qui casse les trois montures qui représentent la famille Windrunner, que Sylvanas brise avec l'idée que Sylvanas... Et du coup, les dieux très anciens qui ont prévenu que Sylvanas allait trahir ses sœurs. Hein. Et les dieux très anciens ont dit « Elle te prendra tout, tu as fait une connerie, elle te prendra tout, etc. » Du coup, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent que Sylvanas devienne la nouvelle Garrosh Hellscream, celle qui... pètera un câble et trahira tout le monde et voilà. Après, pour Sylvanas, ça aurait été beaucoup moins controversé que Garrosh au final, parce que Garrosh a quand même eu un propre revirement, j'y reviendrai un jour, et un propre revirement dans son traitement. Sylvanas, ça a toujours été un peu comme ça, donc là-dessus il n'y a pas autant d'erreurs. Et même cette BD montre que Sylvanas c'est une manipulatrice, une connasse, mais elle a quand même toujours ce côté émotif. Mais là on sent qu'elle a tourné la page, on sent quand même qu'elle a tourné la page. C'était justement la sans mauvais jeu de mots, c'est la dernière page justement où on voit que maintenant ça y est, elle est prête à faire ce qu'elle a à faire pour renouer avec sa famille, mais dans la non-mort, parce que ses sœurs ne voudront pas la suivre. Et Viriza qui veut que les elfes de sang aillent dans l'alliance. Qu'elle est naïve, cette petite. Si un jour dans une extension les elfes de sang rejoignent l'alliance, je serais ouf, mais ça m'étonnerait fortement. Du coup, les hauts elfes, bien entendu, dans l'alliance. Mais pour revenir sur le dernier traitement, je trouve la dernière image, donc celle-ci, où Aleria rejoint sa famille. Aleria qui a un grand sourire quand même, etc. Donc j'espère qu'Aleria, Tyrallion et Arathor resteront ensemble. Arathor qui est quand même vachement zappé aussi. Enfin, les trois enfants sont quand même vachement zappés. Arathor, c'est quand même le fils d'un paladin, d'un des plus grands paladins de l'histoire, même peut-être le plus grand paladin de l'histoire. Aleria, c'est quand même pas n'importe quel elfe. Arathor, c'est censé être un dingue en fait. Et pour le moment, il est complètement ignoré, Arathor. Alors que, en plus, Arathor est un peu de la génération d'Anduin, donc il pourrait devenir un peu le bras droit de la même génération qu'Anduin, faire partie de son équipage, son Akama, non pas du tout. Non mais ça pourrait être un peu le délire. Et les fils de Viriza qui sont aussi complètement zappés. Alors ils sont peut-être encore un peu jeunes, mais on pourrait voir leur formation, etc. Enfin ça pourrait être intéressant. Parce que, pareil, hein, les fils de Viriza, ils descendent de Viriza qui est
tout simplement l'un des plus grands forestiers aux elfes, et à côté de ça l'un des plus grands mages humains qui a jamais existé. Donc au final, dans, par exemple, c'est la guerre des anciens, dans la trilogie de la guerre des anciens, au début c'est dans le temps présent, et ils disent que c'est la première fois qu'il y a des jumeaux humains, enfin des jumeaux semi-elfes qui vont naître, et ils disent qu'ils ont, ils ont une destinée extraordinaire. Et pour le moment, la destinée extraordinaire, que ce soit Arathor ou les deux enfants, pour le moment, la destinée extraordinaire, ouais, pas fou. Donc j'espère que, qu'ils seront traités plus tard avec la BD où on avait vu, probablement je la ferai aussi, celle sur Anduin, qui est vraiment d'actualité encore, avec la fin où on voit aux côtés de Velen et on voit un Anduin vieux qui combat le vide, etc. Enfin, un combat, une menace, on pense que c'est le vide. Mais j'espère qu'Arathor, bah, justement, aura un rôle à jouer dans cette histoire. En attendant, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je ne vais pas faire plus longtemps. Je vous laisse aussi en parler. Vous, quelle a été votre impression concernant cette BD? Je la trouve très bien. Pareil aussi, cette image qui est très très révélatrice. J'en ai pas parlé, mais Aleria et Viriza qui sont dans la plénitude, etc. Sylvanas aussi, et pourtant on a fait le choix de mettre le frère Windrunner, qui a peur de Sylvanas et qui à la fin a peur comme s'il avait été trahi ici par Sylvanas. Au départ j'ai pas compris le truc, mais en voyant la fin et en relisant, je fais ah ouais, en fait il montre justement que lui-même sait que Sylvanas va trahir sa famille. C'est super intéressant, je trouve. Et encore une fois, du coup, une BD qui glorifie, là c'est pareil aussi, hein. Viriza qui dit chute à son frère, alors c'était des jeux de l'époque, mais c'est aussi encore assez imagé, en mode ne leur dis rien, enfin, c'est vachement symbolique aussi, et Viriza qui est de nouveau mise à l'honneur, donc j'espère que les hauts elfes rejoindront l'alliance, enfin en race alliée. Voilà, moi en tout cas je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai bien aimé aussi cette bande dessinée, très très longue, super intéressante, beaucoup de choses, moi qui adore les elfes, forcément je suis conquis, même si les dessins... Je préférais la BD Magni pour les dessins. Après, il y a plus de bulles, donc forcément, il peut potentiellement y avoir d'erreurs. Mais regardez-moi ça. Là, on dirait du fluo qu'elle a sous les yeux, Sylvanas. Quoi. C'est triste, quoi. C'est triste à certains moments. Mais bon, en attendant, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me donner vos impressions. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pu oublier, des points que vous avez relevés aussi, des théories? N'hésitez pas, voilà. Les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à liker, partager autour de vous. Et bien, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et me suivre sur Twitter et Facebook. Je vous fais plein de bisous. Mouah, à bientôt pour de prochaines vidéos. Et à plus dans le Nexus.